Bonjour tout le monde, nous le 9 juin 2022, moi c'est Didier Alain, moi très content avec nous matin. Depuis deux mois et demi environ, je réalise que mon séquelle, ça dit son trace qui est derrière de une forme de trauma. Et séquelle là c'est simple, c'est que je réalise que moi sous en pression, en peur permanente, côté que je n'ai pas tant de moi. En tout temps en mauvaise nouvelle. C'est-à-dire les téléphones me sonnent, ma battante mon mauvaise nouvelle, le n'importe qui ça cap fait, ma battante mon mauvaise nouvelle. Moi j'aime comme ça. Je suppose que c'est conséquence de trois événements privés et dans pays là, de trois événements privés dans famille et ensuite ou aller circulation de mauvaises nouvelles et en permanence qui vient mettre dans état ça. Et me réaliser que et son état que m'pas connait dans état ça. Donc premier bal là c'est prise de conscience que au fait et un bail qui changeait la caille moins qui fait que à la place de attendre moins à un cadeau que la vie a eu m'a pas attendre moins à un bagage qui pas bon on mauvaise nouvelle on l'obéit écrivait on t'est écrivant encore l'autre bagage. Donc sur ce moi pense que grand pile dans nous deux qui gagne la vie même genre donc moi c'est faut porter attention particulière à ça et ça me va dire nous c'est par rapport à moi, premier bagage là, c'est pour conscient de lui. Ça veut dire que il y a des niveaux, il y a de le, côté que niveau stress moins, niveau traumatisme moins, niveau. Et j'aime digérer l'information comme une jeune moyen, fait que justement, j'ai une réaction ça. Deuxième bagage là, c'est choisir une autre attitude. C'est qui ça? Avant qu'on arrive à une attitude qu'on voulait, il faut choisir une première attitude qui c'est qui ça, c'est oublier toute attente. Et ça, c'est un bagage qui. Très difficile à faire parce que nous tellement programmés pour nous réfléchir, pour nous penser, pour nous anticiper, pour nous contrôler que l'ordre oublier toute attente est compliqué. Grande tradition qui est les zazen qui sorti au Japon dans zen bouddhisme, dans zen bouddhiste, dans bouddhiste zen. Et zazen là c'est qui ça? C'est une tradition de oublier toute attente ou jeter toute attente dans la poubelle ou pas garder attente en rien. Et d'ailleurs il y a une pratique qui c'est méditation zazen d'ailleurs c'est qui ça? C'est shita avec tête ou sans attente de résultat, sans attente quelconque. Et seulement dans un monde qui pratique la méditation, ça, pour qu'il soit bon, l'abdoul pas bon pour rien, il n'est pas servi à rien. Et c'est sa beauté, zazen, non? C'est que est-ce qu'on est capable de faire un bagage qui n'est pas servi à rien. Parce que nous tellement programmés pour que nous productifs, pour que nous fassions un bagage, pour que nous créions un bagage, pour que nous avancions nos directions, pour que nous avons un but. Que n'oublier que la vie en fait c'est flot d'énergie ça que lié que ou cap un moment sans but sans rien ou juste chita son chaise et ou pas rien pour faire ou pas rien ou faire ou pas aucun résultat ou attendre et c'est là ça qu'on y rentre dans harmonie automatique. Donc c'est façon qui plus facile qui plus direct pour entrer dans harmonie automatique avec la nature, avec tête, avec le monde, avec énergie la vie, avec bon Dieu sous le relais comme ça, avec cosmique là, quel que soit son choisir. Et l'homme moins ouais ça et que m'apprendre ça il fascine moins de ouais que nous toujours mon objectif nous toujours moi m'a chercher nous toujours moi des têtes même toujours moi m'a gérer et une fois qu'on rentre dans zazen là c'est lui qui calme tension moi automatiquement même respiration moi sans pas faire fort vient en harmonie que me ralentit stress me baisser automatiquement. Donc une fois qu'on accepter que on pas besoin d'attendre pas besoin de rien qu'on ou qu'a font travail qui son travail inverse évidemment son travail inverse moi expliquer li bien c'est ouais la vie avec un cadeau et puis l'on lever le matin on lever comme un petit monde qui lever le jour de la Noël et qui connaît que le pral bob de Noël là le pral ouais cadeau que le et puis qui excité pour la ouais cadeau. Donc c'est qu'on soit lever pour aller dans journée ou avec une attente qu'on crée vraiment mais son attente qui différent c'est qu'on lever le jour de la Noël ou pas le cadeau et cadeau c'est tout ça qui pas arriver dans journée hein. On moun vini le font ti compliment son cadeau. On moun vini li di on bagage son cadeau. On moun ou gon l'autre interaction son cadeau. Gon nouvelle qui tombe son cadeau. Gon mauvaise nouvelle tombe son cadeau. Gon bonne nouvelle tombe son cadeau. Tout bagage vini neutre mais tout bagage son cadeau parce que cadeau c'est que la vie soit vive là observe on miwa pour découvrir tout temps à tout moment. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kembe là. N'a pas demain.